Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Happy Toff. Aujourd'hui, petite vidéo sur le traitement varroa en hiver. Donc là, on est fin décembre. On va commencer par préparer notre mixture, hein, notre potion. On va voir ça ensemble, à base d'apibioxal. Donc moi j'utilise l'apibioxal, certes c'est assez cher, mais c'est pour être sous les AMM. Hein. Certains vont utiliser de l'acide oxalique direct. Mais moi je préfère utiliser des produits qui sont certifiés, enfin autorisés. Dans tous les cas, merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement d'avoir visionné mes dernières vidéos. On va se placer pour pouvoir voir comment ça se passe la préparation. Et on se retrouvera ensuite au rucher pour voir comment je procède avec le pistolet doseur. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va prendre une bouteille. J'ai mis un petit peu d'eau dedans. Excusez-moi, j'ai un voix un petit peu enroué. Mais voilà. On met un petit peu d'eau dedans parce que je vais utiliser du sirop. Un sirop 70-30. Donc pour le diluer un petit peu. Hein, pour qu'il soit plus facile à passer dans le petit tuyau qui va être intégré après. Donc on va mettre notre sirop. Donc notre sirop, c'est ça. Donc on va utiliser 1 litre de produit. Donc l'eau plus le sirop, vous devez avoir une contenance d'un litre pour la quantité que je vous donne. Vous pouvez après faire des multiples si vous voulez faire 2 litres, 3 litres, etc. Donc je mets mon produit. Vous n'allez pas voir forcément, mais je remplis de toute manière, il n'y a rien de spécial. Donc vous prenez une bouteille, l'idéal avec un bouchon. Hein. Allez, on remue. J'ai le soleil un peu en pleine tête, mais bon. Voilà, donc l'apibioxal. Hein, donc je fais pas de pub, rien du tout. Hein, c'est ce que j'utilise, donc je vous montre ce que c'est. Donc pour 1 litre de produit de sirop dilué, vous mettez 75 grammes d'apibioxal ou d'acide oxalique, hein, si vous voulez utiliser de l'acide oxalique. Donc voilà. Donc moi je vais rajouter mon produit et après vous mélangez tout simplement. J'ai dit 75, c'est 70. Donc pour la dose de 1 litre, il faut 70 grammes d'apibioxal. On se retrouve au rucher maintenant pour la démonstration. Donc, j'ai un petit problème avec mon pistolet doseur. Du coup, vous n'allez pas voir comment je l'utilise. Mon pistolet doseur, il est foutu, il faut que je le change. Bon, d'un autre sens, ça permettra à ceux qui n'ont pas trop de ruches de procéder autrement. Hein. Ça évitera des frais. Donc, je vais vous montrer ça. Moi, j'allume toujours mon enfumoir au cas où. Donc, vous gardez votre bouteille de produit, petit récipient, une seringue. Donc là, c'est une seringue de 20 ml dosée. Hein, donc, ça fait 5, 10, 15, 20. Donc, on remplit. Voilà. Pof, là, on a 20 ml. Et puis, pareil qu'avec le pistolet doseur, sauf que c'est peut-être un petit peu plus contraignant. Mais si on n'a que 4-5 ruches, on fait... là, on a 4 doses. Pour 4 rayons en fait, 4 entre pour les ruches et les ruchettes. Donc là on va faire ça sur la ruchette ici. Donc je rappelle le dosage hein, pour 1 litre de sirop, hein, l'idéal sirop 50-50, le tiédir, hein, vous mettez 70 g de apibioxal. Et puis on va passer avec 20 ml déjà. Donc, ici, ils avaient du candy. On voit qu'elles ont mangé tout le candy. Donc, on va pouvoir leur en remettre. Un petit coup d'enfumoir. Toujours une petite alerte. Hop. Là, on voit très bien les seins. Je vais vous montrer. Il fait bon, hein, vous inquiétez pas. Voilà. On voit bien toute la grappe ici. Qui est bien formé. Donc là, je vais mettre 5 ml hein, dans chaque rayon, hein, où qu'il y a des abeilles. Ici, il n'y a rien, ça ne sert à rien. Voilà. Vous voyez, hein, une abeille qui sort vite fait. Donc là, on a la dose. Hein, on surveille combien on met. Et on met 5 ml.
Donc le traitement hein, par égouttement se fait avec des essaims sans couvain, hein. Faut pas qu'il y ait de couvain dedans. Voilà, donc là j'ai mis 5, 10, 5, 10, alors faut que j'en remette encore. Hop, voilà, j'y suis. On referme. Et celle-là, je vais aller y rechercher un candy et je vais y mettre du candy. On va passer à la suivante. Hop. Je reviens, je vais chercher le candy. Donc l'intervention se fait à une température ni trop chaude ni trop froide. On doit être dans les 10 degrés là. Trop froide, c'est pas bon, hein, ça refroidit drôlement le couvain. Donc attention à ça. Donc voilà, hein, vous n'hésitez pas à contrôler aussi la nourriture. N'oubliez pas de mettre des protections, j'ai complètement oublié mes gants, hein, c'est mieux de mettre, hein, c'est assez corrosif, donc faut pas hésiter à mettre des gants pour faire les traitements. Et bien contrôler la nourriture, et puis faire un comptage varroa par la suite, hein, pour voir combien on est tombé et s'il y a besoin de refaire un traitement sous 10 jours, hein, de refaire le même procédé. Voilà, moi je vais continuer mon travail. En attendant, abonnez-vous, merci de me suivre et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Happy Tof.